Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un haul action. Donc j'avoue que cette vidéo n'était pas prévue, j'avais prévu de plutôt faire un maquillage aujourd'hui, mais comme je suis en période d'examen, j'avoue que j'ai vraiment pas le temps de trop faire de vidéos, de montage, tout ça. Et un haul, ce sera plus facile à monter qu'une vidéo maquillage, donc je préfère faire ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira quand même, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer et à me le dire dans les commentaires. Et on va tout de suite commencer. Donc je suis allée dans deux actions différentes parce qu'il y a des choses que je cherchais en particulier et que j'ai pas trouvé dans le premier action. Et d'ailleurs cette fois-ci j'ai gardé les tickets de caisse, donc je pourrais vous dire les prix de tout ce que j'ai acheté. Donc première chose que j'ai acheté, c'est une palette comme ça d'aquarelle. Donc franchement, je sais pas si ça va se voir mais je l'ai déjà essayé hier. Je pense que ça se voit, il y a des éclaboussures et tout. Donc franchement, c'est une palette qui est quand même de bonne qualité. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit ouf ouf. Et franchement, je trouve que ça va. Forcément, c'est pas non plus la qualité d'une palette qui va vous coûter 20 ou 30 euros par exemple. Mais voilà, pour ce que je vais en faire, moi ça me suffit largement. Je pense que je vais m'en servir principalement pour peindre sur des feuilles et aussi de temps en temps pour des nail art. Donc il y a 12 couleurs et elle m'a coûté 99 centimes. Deuxième chose que j'ai acheté, c'est un planeur. Alors je sais pas si je le trouve très beau, mais je l'ai pris dans le premier action et je savais pas encore que j'allais aller dans un autre et il restait que celui-là et franchement je l'ai trouvé trop cool. Donc en fait c'est un planeur plutôt basique on va dire, avec des petits intercalaires, donc il y a goals, planner, ideas, to do, notes et bucket list. Par contre il est en anglais, donc voilà, sachez-le, il est en anglais. D'un côté il y a les goals et à gauche de l'autre côté il y a les daily goals, donc vous pouvez vous faire votre to do list du jour. Il y a une petite, un petit truc pour l'hydratation, il y a des espèces de faux post-it. Franchement c'est trop bien fait, les images là comme ça elles sont de super bonne qualité. À chaque fois vous avez deux côtés, donc pour le mois et pour la semaine. Dans les idées, c'est pareil, il y a une petite page comme ça. Vous avez une petite ampoule comme ça pour mettre vos idées et vous avez aussi sinon des espèces de petits encadrés comme ça. Donc c'est pareil, vous avez to do pour le mois et to do checklist, donc avec des listes où vous pouvez cocher. Et ce que je trouvais vraiment super super dans ce planeur, c'est qu'en fait il n'y a pas de date définie. Donc c'est vous qui remplissez tout, tout, tout. Et moi je trouve ça trop cool parce qu'il faut savoir que j'ai un peu du mal avec l'organisation papier. Donc là j'essaie de m'y mettre au maximum parce que je me rends bien compte que entre les cours, les vidéos YouTube, les posts Instagram, etc. c'est un petit peu compliqué de m'organiser. Sachant que j'essaie de faire une vidéo par semaine. Enfin c'est ce que je fais la plupart du temps là depuis quand même un petit moment. D'ailleurs si vous voulez voir mes prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et donc ce planeur m'a coûté 2,29€. Mais franchement je trouve qu'il vaut les 2,29€ parce qu'il est de très bonne qualité. C'est le genre de choses qu'on peut trouver en magasin à 10€ facilement, donc je vous le recommande. Prochaine chose que je vais vous montrer, c'est pareil, je l'ai ouvert. Mais en fait, c'est des lampes, donc je vais vous montrer, je l'ai sorti. C'est deux lampes comme ça, avec également une petite télécommande. Et en fait, ce sont des lampes qui font des couleurs. Donc là, c'est une des lampes, elle est comme ça. Derrière, il y a du scotch 3 mètres, donc vous enlevez l'autocollant, vous collez. J'ai une copine qui m'a dit que ça se décollait un peu chez elle. Merde. Il y a la petite télécommande où... un petit bouton, donc le bouton il est tactile en fait, donc on peut changer la couleur comme ça. Et la télécommande, il y a un peu plus d'informations, je vous laisse regarder, mais en fait il y a on off, rouge, vert, bleu, c'est pareil, c'est en anglais, mais bon, voilà. Ensuite il y a d'autres couleurs, donc il y a orange, jaune, jaune citron. Et après il y a deux autres modes que vous pouvez mettre, donc fade et jump. Donc en fait ça va être des lumières qui vont, enfin les couleurs elles vont passer des unes aux autres. Et en fait, jump, bah, elles vont passer d'un coup de l'une à l'autre, alors que fade, elles vont s'estomper doucement pour passer à l'autre. Il y aura une petite transition. Et voilà, et après, vous avez deux autres boutons pour augmenter la luminosité ou la baisser. Et du coup, voilà, je trouvais ça sympa, sachant que bientôt, je vais acheter des panneaux LED, justement, où je pourrais changer les couleurs avec une télécommande de meilleure qualité. Mais là, en attendant, pour les photos et tout, je trouvais ça cool de pouvoir mettre un petit effet comme ça. Et donc ça, ça m'a coûté 4,95€. Donc ça, c'est le truc le plus cher que j'ai acheté, je crois. Donc ensuite, je l'ai ouvert, ça se voit. Mais j'ai acheté ça. Donc c'est une serviette, en fait, pour pouvoir twister vos cheveux. Enfin, je sais pas si vous voyez trop, mais il y a le petit dessin. Donc comme sur l'image, en fait, c'est pour pouvoir attacher vos cheveux, donc après la douche. Moi, je l'ai pris en blanche. Elle existe en plusieurs couleurs, mais j'avais envie de la prendre en blanc. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc avec une forme prédéfinie. Je pense que vous voyez comme une capuche en fait. Il y a un bouton d'un côté et un petit élastique pour mettre le bouton de l'autre pour que quand vous avez bien enroulé vos cheveux, vous puissiez le fermer. Et franchement, je trouve ça cool.
Je sais pas encore trop ce que ça vaut niveau séchage, mais elle est de bonne qualité quand même. Je trouve qu'elle est épaisse, ça a l'air pas mal. Et donc apparemment elle est en microfibre et elle m'a coûté 99 centimes. Prochain truc que j'ai acheté, c'est un jouet pour mes chats, pour leur faire un cadeau de Noël, mais il est trop moche en fait. Il est immonde. Les moustaches, elles veulent pas se mettre correctement, elles restent en l'air. Au début, je voulais en prendre 3 vu que j'ai 3 chats, sauf que bah, je me suis dit qu'au final, non. Parce que j'avoue que je suis pas sûre qu'ils vont jouer avec. Et donc ça, ça m'a coûté 97 centimes. Prochaine chose que j'ai pris, c'est ce petit bloc. Donc en fait, c'est un bloc de papier que vous pouvez découper. C'est principalement, je pense, pour le scrapbooking. Et donc, il y a plein de petites feuilles. Donc il y a des feuilles avec des couleurs. Il y a des feuilles plus loin avec des motifs. Donc des motifs plus ou moins sympas. Et en fait, c'est des petites feuilles qu'on peut découper et je pense que vous pouvez écrire des petits mots, faire des petits dessins, enfin ce genre de choses. Moi, je l'ai acheté principalement pour faire des petits mots dans mes colis Vinted. Moi, j'ai pris le bleu, mais il y avait aussi un noir, un violet et un rose, je crois, mais je suis pas du tout sûre. Mais donc, il y en avait d'autres, sauf que je me suis dit déjà, je vais en prendre un, il est pas mal épais. Donc je vais voir déjà ce que j'arrive à en faire. Donc dessus c'est écrit bloc de papier à dessin sans feuilles à 5 x 20 dessins. Donc chaque motif est reproduit 5 fois, voilà, je me suis mal exprimée. Et la taille des feuilles c'est du 10 cm x 10 cm, donc c'est des petits carrés. Et ça j'en ai eu pour 94 centimes. Prochain truc que j'ai acheté, je l'ai aussi ouvert, donc le petit papier c'est comme ça. Donc c'est du ruban comme ça, avec des petits strass dessus, mais c'est pas des strass en épaisseur. Je sais pas comment dire, mais c'est tout plat en fait. Et du coup voilà, moi je l'ai pris en doré, c'est quand même assez long, je sais pas quelle taille ça fait mais je pense que vous voyez, il y en a quand même. Et en fait je l'ai pris pour faire des maquillages en particulier et pouvoir coller du ruban comme ça de strass sur mon visage. Franchement je trouve que ça peut être sympa mais encore une fois j'ai préféré en prendre un seul avant d'en prendre 10 pour être sûre que je m'en sers. Donc franchement ça a l'air quand même de bonne qualité, il n'y a pas l'air d'y avoir de strass cassé ou quoi que ce soit et du coup ça se découpe donc c'est super pratique. Et le ruban comme ça je l'ai trouvé au niveau des loisirs créatifs et j'en ai eu pour 94 centimes et il fait 1,5 m, voilà c'est écrit. Les deux prochaines choses elles sont toujours dans les loisirs créatifs, c'est des lots de strass comme ça avec plein de strass, donc j'ai pris le rose et j'ai pris le violet. Et en fait ça c'est des petits sachets de strass et je trouve ça trop pratique pour les maquillages, c'est des petits sachets avec plus ou moins 60 grammes de strass. Donc on a des gros strass, des petits strass, des moyens strass, des formes différentes. Là par exemple il y en a un énorme et donc chaque petit sachet coûtait 79 centimes. Donc pour les deux sachets j'en ai eu pour 1,58€. Dernier truc que j'ai pris dans ce magasin là, c'est un lot comme ça de plusieurs paillettes. Et franchement je les trouve trop cool, je vais les ouvrir pour vous montrer, je les ai pas ouverts hier, j'ai réussi à me retenir. Mais du coup en fait dans les jarres comme ça il y a des grosses paillettes, au milieu il y a des moyennes paillettes et là il y a des toutes fines paillettes. Donc on a également la couleur comme ça un peu rose gold. Ensuite il y a ce rose là qui est un rose un petit peu plus flash. Et en dernier on a ce rose là qui est vraiment plus flash que les autres, je sais pas si vous verrez trop la différence. Je trouvais que pour les maquillages ça pouvait être une super bonne idée pour pouvoir faire des ensembles de paillettes. Et même encore une fois pour les nail art ça peut vraiment être sympa et ça coûtait pas très cher, c'était à 2,49€. Et donc ce petit lot encore une fois je l'ai trouvé dans les loisirs créatifs, c'est vraiment là que je trouve tous les accessoires de maquillage que je peux prendre. Au rayon beauté j'ai pris des coupongles très glamour. En fait il faut savoir que moi j'ai qu'un seul petit coupongle, il est tout petit, il est encore plus petit que celui-là et il est vraiment de très mauvaise qualité. Du coup quand je fais mes ongles en gel c'est vraiment pratique d'avoir un gros coupongle ou même un plus petit mais un coupongle bien solide pour pouvoir couper en fait l'extension de gel et déposer mon gel. Ils ont l'air vachement plus solides que le mien. Et l'ensemble m'a coûté 95 centimes donc franchement ça valait le coup sachant qu'ils ont l'air plutôt résistants. Le prochain truc que j'ai pris dans la beauté sont des élastiques. Comme ça, donc c'est des élastiques à cheveux, donc ils ont l'air plutôt élastiques. Celui du milieu il est un peu moins joli je trouve mais ils sont tout doux et en fait je les ai pris pour Noël pour ma petite sœur. Je trouvais qu'ils étaient quand même mignons, ça lui fait un petit set d'élastiques comme on lui attache souvent les cheveux, c'est cool. Et en plus ils m'ont pas coûté grand chose, ils m'ont coûté 99 centimes. Il y avait différentes couleurs, j'ai pris que cette couleur là parce que je prendrai d'autres choses après pour Noël hein. Ensuite j'ai pris un serre-tête. Alors je vous avoue que je pensais qu'il serait d'un peu meilleure qualité parce que là vraiment il est hyper... Je sais pas si ça va être oufissime quoi. Mais franchement il est trop mignon non?
Ça me va pas du tout, je crois. Mais en vrai, je me suis dit, il est temps de commencer à investir dans des accessoires pour les cheveux, pour mes maquillages, parce que c'est vrai que bah, quand je fais des maquillages, je mets pas forcément d'accessoires cheveux ou de bijoux ou quoi qui peuvent aller avec. Je pense que vous arrivez à voir, mais il y a des petits strass et des petites perles. De toute façon, vous le verrez sûrement dans mes prochains maquillages. Et donc, il m'a coûté 1,49€. Franchement, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est une crème. Alors, faut savoir que j'ai cherché pendant 6 heures dans les rayons des crèmes qui étaient bien notées sur l'application Inky Beauty. Tout simplement parce que depuis quelques temps, j'essaie de faire attention un peu plus à ce que je mets sur mon visage. Pour essayer de ne pas utiliser des produits avec des substances controversées, etc. Et je trouve que c'est important de faire attention à ce qu'on met sur notre visage. Et j'ai fini par trouver cette crème-là. Donc la crème, elle a pas beaucoup. Hein. Je crois qu'elle a 12 ou 11,5, quelque chose comme ça, sur 20, sur l'application. Mais bon, franchement, c'était un des meilleurs trucs que j'ai pu trouver. Donc c'est une crème de la marque Alvira. Et donc c'est une crème anti-rides contour des yeux. Alors vous allez me dire, je suis jeune, j'en ai pas besoin. Mais en fait, j'ai le contour des yeux qui est déjà très marqué. Et comme j'ai pas encore les moyens de faire du Botox, je vais commencer par mettre des crèmes anti-rides. Du coup voilà, j'ai pris cette crème, donc c'est une crème Q10, là je pense que vous connaissez, c'est les crèmes pour les peaux matures la plupart du temps, mais bon. On va essayer. Elle est vegan également, ça j'avais fait attention de prendre quelque chose de vegan parce que j'essaie de faire plus attention à la cause animale et tout, et que enfin c'est quelque chose qui est important pour moi, après chacun fait comme il veut. Et donc cette crème là m'a coûté 1,79€. Je pense que vous avez dû le voir, mais j'ai redécoloré mes cheveux. Franchement, je suis contente. Là, je les ai bien éclaircis. Et sachez que si vous aimez les vidéos capillaires, une de mes prochaines vidéos, ce sera un undercolor. Donc en fait, je vais colorer avec une couleur le dessous de mes cheveux. Voilà. Je vous en dis pas plus sur ce que ce sera. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié lors de la sortie de ma prochaine vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Donc la plupart du temps, je suis sur Instagram et sur TikTok. Tous mes noms de réseaux sociaux sont en barre de description. D'ailleurs, n'hésitez pas à lire les barres de description parce que j'y mets toujours les informations importantes de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.